Chers amis, ravis de vous retrouver pour un nouveau cours d'œnologie live, hein, comme tous les vendredis et samedis à 18h. C'est vraiment un exploit de pouvoir réaliser cette chose, surtout en live, avec les moyens du bord, qui ne sont pas si du bord que ça. Mais voilà, à la fin, on y arrive, on est content de pouvoir vous offrir ces cours d'œnologie live. Avant toute chose, avant de démarrer, un tout, tout grand merci à Félix Francotte, qu'on appelle Magic Félix, à la technique, bien sûr, Adrien Garré, qui a le rhume des foins, Christine Ali de Paris, et Leslie Garré qui assure la modération du chat sur le YouTube. Alors Leslie nous avait signalé que ça avait été un peu chaud parfois les dernières séances au niveau du chat, donc j'espère que tout se passera bien aujourd'hui. C'est plutôt bien si le chat bien sûr est dynamique. Alors, je dois aussi vous annoncer, comme à chaque fois, les noms des gagnants des concours de la fois précédente, bien sûr. Donc là, c'était samedi passé. Donc c'est Thomas Bachet, Grégory Deprez, Kevin Aquin, Anne-Marie Ross et Isabelle F. qui ont chacune gagné un livre, l'Antiguide du vin, ce que les autres livres ne vous disent pas. Donc félicitations à vous, félicitations à eux. Dès que les transports reprennent, les livres partent. Nous, on est sur le pied de grue, on est sur le starting block là-dessus. Alors, le transparent, sur le titre du cours, vous parle des vins du Roussillon. Aujourd'hui, nous allons parler des vins du Roussillon pour tout ce qui concerne les vins de ce vignoble, hormis les fameux vins doux naturels qui, eux, sont laissés pour demain. Donc, tout ce qui a trait aux vins doux naturels, ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Donc, pour le reste, ce sera aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas si je vais essayer de tenir un débit peut-être de parole un tout petit peu plus rapide. En vérité, on a quelques transparents en plus, hein, parce que si je dois vous parler de l'ensemble du vignoble du Roussillon, c'est quand même quelque chose. Et donc, il faut absolument que j'essaie de tenir, bien sûr, le temps imparti, de ne pas trop dépasser. Le transparent sur le contact, vous le connaissez par cœur. Vous pouvez nous contacter sur l'Instagram, ça nous fait super plaisir. On essaie de répondre dans les 48 heures. Et également sur le mail, si la question est un peu plus longue, un peu plus complexe. Et là aussi, on essaie de tenir ce fameux délai de réponse de 48 heures. Voilà, c'est un délai non contractuel, donc ne nous envoyez pas un huissier si jamais on ne tient pas le délai. Le plan de cours transparent classique que vous connaissez, qui bien sûr change à chaque fois, de quoi est-ce qu'on va discuter aujourd'hui? On va commencer par une citation, mais cette fois-ci une citation inconnue. Ce sera à vous de trouver l'origine de la citation. Voilà, voilà. Ensuite, on parlera de Perpignan, puis des appellations de vin sec, bien entendu, des chiffres clés, du dilemme du coopérateur, une astuce, et puis on terminera par le grenache gris, qui est le cépage que nous allons déguster en vin blanc et en vin blanc sec, bien entendu. Donc si vous êtes prêts, sans plus tarder, démarrons par la fameuse citation inconnue que je vais lire. Donc je vais perdre quelque part, hein, c'est un peu la tristesse, le eye contact, le temps que je vous la lise, mais vous ne m'en voudrez pas. Le Roussillon s'est ouvert à la culture de la vigne, donc on est dans la citation, en même temps qu'à la civilisation méditerranéenne. Sous ce climat chaud et venté, il s'est élaboré dès le début de notre ère des vins particuliers issus de raisins naturellement très sucrés. Peu à peu, la production s'est orientée vers les vins doux naturels, richesse du Roussillon. De cet usage, les viticulteurs ont appris la notion d'élevage en milieu oxydatif, savoir-faire unique et spécifique. Si, traditionnellement, la production est orientée vers la production justement de vins doux naturels, des vins tranquilles ont toujours été produits dans le Roussillon. Bon, trois fois produits dans la phrase, on aurait pu mieux faire, mais soit. Jusqu'au 19e siècle, la consommation est plutôt locale. Mais grâce à des degrés naturellement élevés, induisant une bonne résistance au transport, la commercialisation s'est développée hors du Roussillon et a permis aux producteurs de prendre conscience de la qualité et de la spécificité des vins tranquilles du département. Si c'est pas beau, je trouvais que cette citation, eh bien, quelque part, elle nous mettait déjà, je ne sais plus parler, excusez-moi, dans le cœur du sujet, dans le cœur du réacteur. Et donc, là, maintenant, comme le transparent s'affiche, je vais, moi, vous poser une question, à savoir, d'où provient cette citation pleine de charme et de saveur? Voilà, voilà. «
Je vous rappelle que si vous répondez juste, vous pouvez gagner un anti-guide du vin, ce que les autres livres ne vous disent pas, livre écrit par votre professeur et sommelier préféré. Voilà, voilà. Et nous abordons la réponse, bien sûr. Il s'agit, tenez-vous bien, de l'arrêté du 28 octobre 2011 relatif à l'indication géographique protégée côte catalane, journal officiel de la République française, l'acronyme JORF, numéro 0262 du 11 novembre 2011, page 18-995, texte numéro 39. Donc voilà, il s'agissait en fait d'un document administratif, en fait, le cahier des charges de l'indication géographique protégée côte catalane. Donc comme quoi, on a de temps en temps une prose un peu enlevée, même dans les documents administratifs qui paraissent au journal officiel de la République française. Si on était en Belgique, ce serait bien sûr le Moniteur belge. Alors, par rapport au concours, je suppose que c'était peut-être compliqué d'avoir la réponse précise, mais disons que si l'un ou l'autre d'entre vous a mis une réponse de type document administratif ou la plus proche de document administratif, eh bien, nous allons le considérer ou la considérer vainqueur-vainqueuse. Voilà, voilà. Nous continuons avec notre exploration. Nous sommes ici sur le transparent classique où nous vous calons une carte de France, ou en tout cas un morceau de la carte de France, avec ici le département qui est indiqué avec une tache rouge, qui est le département des Pyrénées-Orientales, parce que peu ou prou, le vignoble du Roussillon est un vignoble monodépartemental. Hein, donc vous voyez ce département qui se trouve à la frontière, bien sûr, avec l'Espagne et aussi avec le département de l'Aude, il me semble. Et puis vous avez juste en dessous la fameuse carte des vins de France, carte que nous utilisons beaucoup dans les cours et dans les formations d'œnologie à l'école Interwine & Dine, qui donc sépare la France en quatre morceaux. Et nous sommes ici clairement dans un vignoble méridional, bien entendu, et plutôt sur un vignoble, si vous voulez, non pas à l'ouest, mais plutôt à l'est. Moi, je dois chaque fois réfléchir. C'est pour ça que je parle un peu plus doucement, parce que je ne suis pas bien latéralisé. Donc, gauche et droite, je dois réfléchir. De la même manière que ouest et est, je dois aussi réfléchir. Et méridional, septentrional, parfois, je ne m'en sors pas non plus. Bon, soit, je vous passe mes petits soucis. Continuons donc l'exploration. Vous savez maintenant où on est par rapport à la France, bien sûr, lieu de... Là où nous sommes, c'est un lieu de vacances et de villégiature magnifique, pour autant que les frontières se réouvrent et que nous puissions, à un moment donné, parcourir la France pour les vacances. Le tableau qui s'affiche, que vous connaissez maintenant relativement bien, est un tableau qui reprend quand même les principales localités de vignobles, vitivinicoles, j'allais dire, ainsi bien sûr que Bruxelles et Paris, deux villes références, entre guillemets. En tout cas, Bruxelles, certainement pour moi, vu que j'y habite. Alors, nous sommes dans cette fameuse dernière ligne du tableau, vu que ce tableau est classé par ordre, si vous voulez, de latitude décroissante, et bien là on est à Perpignan. Perpignan qui est le chef-lieu départemental du département des Pyrénées-Orientales. Latitude 42,5 comme c'est indiqué. Et puis là, entre guillemets, ce n'est qu'une succession de superlatifs, bien entendu. Vous voyez que la température c'est 15,3, donc c'est quand même 5 degrés en moyenne de plus qu'à Bruxelles, 10,3, c'est-à-dire une augmentation de 50% de température moyenne. Donc vous imaginez un peu l'affaire. En termes de précipitation, 562, c'est quand même relativement contenu. Mais surtout, le nombre d'heures d'ensoleillement, c'est 2507. Quand vous les comparez aux 1504 de Bruxelles, ben voilà, c'est de nouveau une augmentation de 66%. Donc c'est certain que vous avez un climat tout à fait favorable à la culture de la vigne et un climat aussi qui permet à la plante de réaliser une photosynthèse chlorophyllienne, c'est-à-dire en gros de faire fonctionner le cycle végétatif afin d'accumuler dans la baie de raisin des sucres. Et c'est pour cela que dans la fameuse citation qu'on avait vue au tout début du cours, si jamais vous pouvez vous la repasser peut-être après si, pour le vérifier, on vous parlait de vin naturellement sucré. Donc c'était ça quelque part qu'indiquait cet élément dans la citation. Quand il voulait parler des vins naturellement sucrés, il mettait en évidence que
avec un tel soleil, avec un tel climat, eh bien, la photosynthèse chlorophyllienne fonctionne à donf, dirions-nous, fonctionne à fond, et on se retrouve, bien entendu, avec des baies de raisin qui ont une concentration de sucre très, très, très élevée. On verra après comment est-ce que les vignerons du département des Pyrénées-Orientales vont en tirer parti pour faire des vins relativement exceptionnels. Alors, sur le transparent voilà, qui s'affiche, vous avez quelques éléments, entre guillemets, tout à fait subjectifs et un peu drôlatiques, si vous me permettez l'expression, par rapport à Perpignan. Hein. Donc, Perpignan a vu la naissance de Hyacinthe Rigaud. Alors, ce Hyacinthe Rigaud, vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est le portraitiste, ou c'était plutôt parce qu'il est décédé maintenant, le bonhomme, le portraitiste officiel de Louis XIV. Alors, Salvatore Dali y a séjourné. Il a d'ailleurs commis ce fameux tableau surréaliste qui s'intitule justement la gare de Perpignan qui s'affiche ici, et enfin Maurice Leblanc, le père ou le romancier d'Arsène Lupin y est décédé. Bon voilà, c'était une manière de vous dire que il y a quand même des personnes relativement célèbres et connues qui sont passées par là à l'un ou l'autre moment de leur vie, et je ne peux que vous conseiller, si jamais à un moment donné vous avez la possibilité de rebouger un peu, de faire une halte à Perpignan, et si vous voulez bien sûr visiter le vignoble du Roussillon et visiter quelques domaines, c'est un point de chute très, très facile et qui vaut la peine d'être pris. En termes, je dirais, plus de vision, si vous voulez, du vignoble, hein, vous avez ce vignoble qui est en fait, comme c'est indiqué ici, qui est entouré, si vous voulez, par trois massifs montagneux. Vous avez au nord le massif des Corbières avec le mont Tauche, comme c'est indiqué, à 878 mètres d'altitude. À l'ouest, les Pyrénées, avec le fameux pic du Canigou à 2784 mètres d'altitude. Alors le pic du Canigou, c'est celui qui apparaît sur la photo, donc à droite, hein, bien sûr. Hein, donc c'est le pic qui se trouve un peu à droite, bien sûr, enneigé sur la photo. Et puis au sud, vous avez le massif des Albères, avec notamment le Roc de France, connu, qui culmine à 1450 mètres d'altitude. Et puis vous avez trois cours d'eau assez petits, assez courts, des courts cours d'eau, si vous me permettez l'expression, je ne sais pas si on peut dire ça, mais enfin, ce ne sont pas des ruisseaux très très longs qui, si vous voulez, vont séquencer ce vignoble du nord au sud, à savoir l'Agly, la Tête et le Teche. Donc voilà, ceci pour avoir une idée un peu générale de ce vignoble. Alors, tout à l'heure, en guise d'introduction, je vous ai mis un exemplaire, si vous voulez, du cahier des charges de l'IGP, donc l'indication géographique protégée Côte Catalane. Alors, l'idée, bien sûr, et donc vous comprenez un peu la construction pédagogique, c'est que tout à la fin de cette affaire, je vais déguster un vin IGP Côte Catalane, qui est produit là-bas, donc dans le Roussillon. Et pour ce faire, j'en profite pour caler, une fois n'est pas coutume, on ne l'a pas encore fait jusqu'ici, comment s'organisent les différents niveaux d'appellation en France et dans l'Union européenne. Et ça, c'est l'objet du transparent qui s'affiche. Le transparent qui s'affiche est en fait, si vous voulez, je ne vais pas dire une synthèse, ce serait bien présomptueux, mais les éléments qui l'indiquent sont tirés du fameux règlement de l'Union européenne ou de la communauté européenne à l'époque de 2008 qui porte l'organisation commune du marché vitivinicole. Et vous voyez que la hiérarchie des vins dans l'Union européenne s'organise sous la forme entre guillemets d'une pyramide, des vins les moins qualitatifs, disons-le, en termes administratifs, jusqu'aux vins les plus qualitatifs qui se trouvent en haut de la pyramide. Alors tout en haut, commençons par tout en haut, on trouve les fameuses AOP, les appellations d'origine protégée. Alors les fameuses appellations d'origine protégée, ce sont les AOP ou les AOC, appellations d'origine contrôlée, ça c'était l'ancien terme, hein, si vous voulez, l'ancien terme français. Maintenant, l'ensemble de ces vins sont repris sous le vocable d'appellation d'origine protégée, qui est un vocable européen. Alors ça, ce sont les vins que dégustent quelque part tous les amateurs de vin, entre guillemets, vous ou moi, la plupart des vins que vous dégustez sont les vins d'appellation. Ensuite, juste en dessous, on a ce qu'on appelle les vins IGP, donc les vins en indication géographique protégée, type par exemple le vin qu'on va déguster tout à l'heure.
l'IGP Côte Catalane, dont je vous dirai un mot aussi tout à l'heure. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, dans les cours qu'on a donnés live sur les régions de France, on a dégusté que des vins d'appellation. Donc on était quelque part tout en haut de la pyramide, si vous voulez. Aujourd'hui, on est juste un cran plus bas, je vous l'expliquerai pourquoi, et c'était aussi une manière, le fait qu'on soit sur un cran plus, qu'on soit sur un cran plus bas, de vous expliquer l'ensemble du fonctionnement. Ces deux niveaux de pyramide, donc les vins en AOP et les vins en IGP, sont d'une manière ou d'une autre, peu ou prou, des vins avec indication géographique. C'est pour cela qu'il y a l'espèce d'accolade et qu'il y a écrit VIG, vin indication géographique. En dessous, le niveau le plus bas de la pyramide, c'est ce qu'on appelle les VSIG, c'est-à-dire les vins sans indication géographique. Donc les vins qui n'ont pas d'indication géographique, donc pas de référence, même très très lâche, à un élément de territoire, hein, bien sûr, et à des contraintes. Alors pour simplement vous rappeler les anciens termes, qui vont peut-être caler plus facilement les idées. Rappelez-vous, donc AOP, c'est ce que nous avions avant comme étant les vins d'appellation d'origine contrôlée, donc ça reste quand même relativement semblable. IGP, c'est ce qu'on appelait avant en France les fameux vins de pays. Et les vins sans indication géographique, c'est ce qu'on appelait avant, précédemment, les fameux vins de table ou vins de France, qui était aussi un terme générique utilisé. Donc avant, on avait entre guillemets les vins d'appellation, les vins de pays et les vins de table, et ces trois niveaux, bon, c'est pas exactement, ils n'ont pas été exactement transférés sur les trois niveaux qui sont indiqués là, mais globalement, oui, ont été donc transférés en appellation d'origine protégée, indication géographique protégée et vin sans indication géographique. Voilà une forme de synthèse de la pyramide des vins d'appellation qui est valable dans toute l'Union européenne. Donc si vous retenez cette synthèse qui est affichée ici ou que je vous ai décrite, eh bien quelque part vous pouvez vous balader dans l'ensemble de l'Union européenne et vous repérer quand vous lisez une étiquette de vin, donc ce n'est pas tout à fait inutile. On fera d'ailleurs un jour une formation avec l'école d'énologie Interwine & Dine sur comment lire une étiquette de vin. Je pense qu'on a eu beaucoup de demandes par rapport à ça, donc rappelez-moi qu'un jour on vous la met en ligne. Alors, pour compliquer le tout, maintenant, par DAF, le transparent qui s'affiche vous parle des appellations du Roussillon. Donc, si vous voulez, pour comprendre, il y a une autre pyramide qui se trouve dans la pyramide précédente. Donc, dans la pyramide précédente, on avait les vins sans indication géographique, les IGP et les AOP. Et si vous prenez le tout haut de la pyramide, donc les vins AOP, dedans, à l'intérieur, il y a une autre pyramide. Les anciens égyptiens, adeptes des mystères emboîtés, comme les matrioshkas, ne nous auraient pas renié sur ce coup-là. Et donc, vous avez une autre pyramide qui se trouve quelque part dans le sommet de la précédente. Et là, j'espère que je vais essayer de ne pas vous assommer, mais donc les appellations du Roussillon sont étagées de trois manières également. Vous avez tout en bas ce qu'on a appelé CDR, les Côtes du Roussillon. Donc ça, c'est un vin d'appellation qui peut provenir de l'ensemble du territoire. Et puis, dans une partie du territoire, vous avez ce qu'on appelle les Côtes du Roussillon village, comme le Beaujolais et le Beaujolais village, si vous vous rappelez le cours sur les vins du Beaujolais. Donc, entre guillemets, Côtes du Roussillon village est plus qualitatif, si vous me permettez l'expression, que Côte du Roussillon sans village. Et puis tout en haut, vous avez deux appellations communales, un peu comme dans le Beaujolais, on avait deux crus. Ici, vous avez deux appellations communales qui sont Collioure, qui produit uniquement des vins secs, et Maury. On a mis l'adjectif sec parce qu'il y a des Maury qui sont des vins doux naturels. Et donc là, vu qu'on ne parle là aujourd'hui, je vous l'ai dit, que des vins du Roussillon sec, on va vous parler du Maury sec. Donc, résumé, dans le niveau le plus élevé de la pyramide des appellations dans l'Union européenne, donc le niveau AOP, le Roussillon a refait une autre pyramide avec Côte du Roussillon village, et puis Maury et Collioure. Et pour complètement achever de vous assassiner, on a décidé, si vous voulez, qu'il y avait certains Côtes du Roussillon village qui avaient en plus le nom d'un village. Donc là, il faut suivre, hein, entre guillemets. Donc ça, dans le Beaujolais, ils n'ont pas été jusque-là dans l'esprit torsiveux, parce que ça devient à peu près incompréhensible maintenant. Parce que vous avez donc Côtes du Roussillon,
Côte du Roussillon Village, mais sans le nom du village. Et puis vous avez Côte du Roussillon Village avec nom de village. Et puis vous avez les deux appellations communales. Donc c'est ça qui est indiqué sur le transparent. Donc je vais les reprendre avec vous, je ne les connais pas par cœur, bien entendu. Donc vous avez donc Côte du Roussillon qui a les trois couleurs, Côte du Roussillon Village qui n'est que en rouge, puis les Côtes du Roussillon Village Totavel, l'Esquerde, les Aspres, la Tour de France Caramani, qui sont les Côtes du Roussillon Village avec la mention d'un village, et puis vous avez le village entre guillemets tout court, c'est-à-dire les fameux crus qui sont Morissec et Collioure, qui peut prendre aussi les trois couleurs. Tout ceci fait 9 appellations. Si, j'espère que vous avez suivi, et si vous avez suivi, je trouve que vous méritez déjà quand même quelque chose d'assez exceptionnel. La technique me demande de faire une pause, donc nous faisons une pause, hein. Voilà, c'est ainsi, hein. C'est les affres du direct, hein, si vous voulez. Que la technique à régler semblerait un chouettement du micro et on me signale dans l'oreillette que je n'ai pas, que ce moment pour lequel on s'excuse bien entendu a permis de régler un petit souci de bruit. Donc voilà, je suis vraiment désolé pour cela, mais en tout cas merci à la technique, à Magic Félix, pour ne pas le citer, qui a réalisé cette opération de main de maître. Alors ici, cette carte, en fait, synthétise les fameuses indications géographiques protégées. Donc ça, c'est entre guillemets ce dont je n'ai pas parlé dans le transparent précédent. Donc, si vous voulez, le deuxième étage dans la pyramide des appellations. Donc le deuxième étage dans la pyramide des appellations, les fameux IGP, eh bien, vous avez 3 zones. Vous avez bien sûr l'IGP Côte Catalane, dont provient le vin qu'on va déguster tout à l'heure, qui se trouve là en orange. Puis vous avez l'IGP Côte Vermeille, qui se trouve tout à l'est, si vous voulez, bien sûr, du département. Et en plus, pour compliquer l'affaire, vous pouvez, où que vous soyez dans le département, produire un vin dans l'IGP, donc l'indication géographique protégée, qui s'intitule Pays d'Oc, anciennement les vins de Pays d'Oc. Mais l'IGP Pays d'Oc est une IGP qui va et dans le Roussillon et dans le Languedoc. Donc c'est une IGP extrêmement vaste. Je crois qu'elle doit faire, en termes de superficie de vignes plantées, près de 250-280 000 hectares. Donc vous imaginez, c'est une IGP très très vaste. Bien sûr, si vous avez du vin, vous faites du vin à Paris ou en Champagne, vous ne pouvez pas l'appeler IGP Oc, mais sinon, pour le coup, l'IGP Pays d'Oc est relativement vaste. Donc il y a, pour résumer, ça n'était pas indiqué dans le transparent précédent, il y a donc 3 indications géographiques protégées dans le Roussillon, qui sont relativement vastes et indiquées ici. Le transparent qui va s'afficher va repasser en revue les fameuses appellations d'origine protégée. Donc vous voyez, visuellement, c'est pour ça que j'ai essayé de les prendre, que les appellations d'origine protégée sont des territoires bien plus restreints. Et donc ça, c'est déjà une des différences très importantes que vous auriez pu me demander, mais quelle est la différence entre IGP et AOP ? Ben, la première différence, comme ça apparaît ici, c'est que quand vous êtes en appellation, l'aire
géographique est beaucoup plus restreinte. Donc, ce que disent les spécialistes de l'Union européenne qui ont rédigé les textes, ils disent qu'en fait, le lien géographique est beaucoup plus fort quand vous êtes dans un vin d'appellation que quand vous êtes dans un vin d'indication. Donc, dans une appellation d'origine protégée, le lien est plus fort que dans une indication géographique protégée. Et ça, vous l'avez bien vu avec le transparent précédent et ce transparent aussi, où vous avez les différentes appellations qui sont en fait des petites taches au sein, si vous voulez, quelque part, d'une IGP qui est l'IGP Côte Catalane. Donc comme ça, vous voyez, donc l'IGP Côte Catalane est entre guillemets presque un demi-département, et puis là, quand vous êtes dans des morceaux du département, et au bon morceau, vous avez le droit, entre guillemets, de produire un vin là en appellation. Vous avez une autre différence que l'on verra tout à l'heure, qui est le fait que les vins d'appellation ont en fait des rendements beaucoup plus faibles que les vins en indication géographique protégée. Alors pour les vins sans indication géographique, là, il y a, comme son nom l'indique, il n'y a plus aucun lien avec le terroir. Et pour et bien sûr, les rendements, eux, sont tout à fait à l'avenant. Donc j'espère que j'ai été le plus clair possible. En tout cas, j'ai essayé d'être le plus clair possible. N'hésitez pas, bien entendu, si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Nous pouvons donc continuer en attendant notre petite exploration. Alors ici, vous avez une carte qui provient du Conseil interprofessionnel des vins du Roussillon, qui vous donne en kilo-hectare, donc en milliers d'hectares, l'évolution des surfaces plantées. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans cette carte, ce qui n'est pas toujours possible d'avoir, c'est qu'ils ont récupéré des éléments, si vous voulez, chiffrés, en démarrant en 1741. Donc on est de mémoire sous Louis XV, quoi, en 1741. Donc c'est pas, c'est avant la Révolution française. Et puis vous avez vraiment quelque chose d'assez exceptionnel, c'est qu'en fait, il y a des éléments dans le graphique, si vous voulez, qui sont tout à fait en lien, quelque part, avec l'histoire vitivinicole française. Je vais vous en citer l'un ou l'autre, hein, je ne vais pas être très très long là-dessus. Si vous prenez, par exemple, 1891, vous voyez qu'il y a une chute. On passe de 76 hectares en 1880 à 42 hectares en 1891. En fait, cette chute, c'est quoi? C'est l'arrivée du phylloxera. Le phylloxera vastatrix arrive dans le Roussillon dans ces années-là et il va ravager la moitié du vignoble à peu près. Donc vous comprenez que quand on dit dans les livres d'histoire ou autre que le phylloxera, ça a été quand même quelque chose de tout à fait... Enfin, ça a été un ravageur un peu sérieux, ben, c'est assez marquant. Si un hectare sur deux a été flingué par le puceron, ça vous indique les malheurs et les catastrophes sociales, bien sûr, économiques, familiales, les exploitations, les fermiers, les paysans qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés dans des situations extrêmement compliquées. Alors, je vais vous donner un autre élément qui est assez marquant dans le tableau. Vous voyez qu'à partir des années 60, en fait, donc après la Seconde Guerre mondiale, il y a une chute lente. Il y a une chute lente des surfaces du Roussillon. Eh bien, cette chute, si vous voulez, des surfaces de Roussillon, a été bien sûr un choix collectif et aussi en partie individuel des vignerons d'un moment donné arrachés des vignes pour aller d'un vignoble extrêmement productif à un vignoble plus qualitatif. Si vous voulez, vous pouvez reprendre le cours sur les vins du Languedoc où nous avons un peu dans le détail analysé ces éléments-là. Hein. Rappelez-vous que le Midi de la France a été pendant toute une période l'outre-vin, comme je dis, de l'ensemble de l'Hexagone, de l'ensemble de la France, donc alimentait en pinard et pas toujours de bonne qualité l'ensemble du vignoble français. Et puis, en fait, vous avez une diminution des surfaces, notamment soutenues par les programmes européens, les fameux programmes d'arrachage des surfaces de vignes, qui ont permis, si vous voulez, de donner de l'argent. Donc, entre guillemets, ça a été une forme de trade-off, d'échange économique, où on donnait de l'argent aux vignerons pour qu'ils arrachent des vignes. Et donc, c'était une manière, quelque part, de diminuer la superficie d'un vignoble, tout en soutenant financièrement les exploitations. Donc voilà, ces éléments-là sont assez clairs. Donc on voit le phylloxera simplement sur un graphique des surfaces plantées. On voit la diminution progressive depuis les années 60 des surfaces plantées avec une relative stabilisation, je dirais, depuis 2010. Hein. Depuis une dizaine d'années, on peut considérer que le vignoble de Roussillon continue
une décrue, hein. Bien sûr, il y a ces surfaces diminuent, mais elles diminuent beaucoup plus faiblement. C'est une forme de tassement. Voilà, donc des éléments relativement intéressants qu'on peut tirer simplement en regardant un bête graphique, si vous me permettez l'expression, des superficies plantées. Alors, chiffre clé des vignobles du Roussillon, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Il y a donc 14 vins en appellation d'origine protégée, on en a vu 9 dans les transparents qui précèdent, il y en a encore 5 en vin doux naturel, je ne m'en mêle pas aujourd'hui, hein, parce que bon, c'est suffisamment tordu comme ça, et c'est encore un vignoble monodépartemental, vous imaginez, pour les vignobles sur plusieurs départements, demain on regardera les vins doux naturels, donc les fameuses appellations en vin doux naturel. J'ai marqué 2+1 IGP, vous avez 2 IGP spécifiques au Roussillon, Côte Catalane et Côte Vermeille, vous avez une IGP qui n'est pas spécifique au Roussillon, mais pour auquel le Roussillon peut prétendre, c'est la fameuse IGP Pays d'Oc. Pour la campagne 2018-2019, les chiffres sont indiqués, vous avez 480 000 hectolitres, donc c'est des centaines de litres, ce qui fait 64 millions de bouteilles, 64 millions de cols, comme on dit, 20 700 hectares plantés de vignes, donc vous voyez ce fameux tassement, hein, donc on est à peu près à 20 000 hectares, moi je retiens aujourd'hui vignoble de Roussillon 20 000 hectares, majorité de vins secs. Donc ça, c'est quand même important. La majorité des vins du Roussillon sont des vins secs. Donc plus d'une bouteille sur deux sont des vins secs. Mais, il y a bien sûr des vins doux naturels. Et les vins doux naturels du Roussillon constituent 80% des vins doux naturels de l'ensemble du vignoble français. Donc il n'est pas scandaleux, si vous voulez, qu'on puisse demain s'intéresser aux vins doux naturels du Roussillon. Parce que quelque part, quand vous prenez au hasard une bouteille de vin doux naturel qui est une bouteille de vin doux naturel française, eh bien vous avez 80% de chance, ou 8 chances sur 10, qu'elle provienne du Roussillon. Donc on peut clairement dire que le Roussillon est, si vous voulez, le marqueur identitaire des vins doux naturels de l'Hexagone. Alors, nous, on va continuer avec quelques transparents par rapport aux chiffres. Surface 2017, voilà, qui apparaissent. Vous voyez, en fait, que les surfaces, ici, je vais simplement prendre deux exemples, le vert et le rouge. Vous avez 41% des surfaces qui sont des vins secs et 26%... et 30% qui sont des vins doux naturels, le vert et le bleu, sorry, hein. Donc vous avez 41% en AOP en vin sec, puis vous avez 26% en IGP en vin sec, et puis vous avez 30% en bleu dans les vins doux naturels. Si on est dans le transparent suivant, vous voyez que en termes de production, cette fois-ci, hein, donc en termes de production, vous avez 41% d'AOP en vin sec, et puis les vins doux naturels ne représentent plus que 20%. Et donc ça, c'est assez exceptionnel, parce que quelque part, les vins doux naturels représentaient 30% de la superficie et ne représentent plus en production ou donc en volume que 20%, ce qui signifie que les rendements de ces vins doux naturels sont relativement contenus. Si vous faites la comparaison sur les vins en IGP, ben vous voyez que les vins en IGP représentaient 26% de l'encépagement, mais représentent 32% de la production, donc quelque part ils gagnent une forme de part de marché en volume, ce qui est relativement cohérent avec ce qu'on disait au début du cours, à savoir que les IGP ont des rendements plus élevés, donc quelque part avec des surfaces, une emprise au sol un peu plus faible, vous pouvez avoir une plus grande production. Alors, je suis désolé parce que les codes couleurs ne sont pas cohérents d'un transparent à l'autre, ça m'a d'ailleurs perturbé à minima en vous les expliquant, et donc j'aurais dû les remettre dans le bon sens. Donc je vais essayer d'y penser quand vous en verrez les PDF à la fin du cours, de vous remettre les bons codes couleurs. D'ailleurs, ça me permet de faire une petite pause et incise, de vous rappeler que si vous nous laissez votre adresse email, soit dans la description de la vidéo, soit Leslie mettra la description sur le chat, eh bien vous recevrez à la fin du week-end un PDF complet qui reprend l'ensemble des transparents plus quelques éléments entre guillemets de contexte. Donc c'est pas exactement un verbatim de ce que je dis, mais c'est quand même les éléments que je vous donne sont quand même repris grandement. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez le faire. Et alors deuxième
deuxième assise, absolument, mettez-nous un like, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ça nous ferait très plaisir si vous pouviez nous mettre un like, nous serions très heureux. D'ailleurs, la technique, on doit sûrement envoyer un jingle, et sinon, il n'y a plus de technique. Donc voilà, voilà. Enfin, couleur des vins secs, alors là, on n'est que en couleur de vin sec, alors dans les vins secs, qui sont donc la majorité, bien sûr, en AOP, IGP, vous avez bien sûr une majorité de vins secs qui sont produits dans le Roussillon, vous voyez que vous avez 62% en rouge, 34% en rosé et 4% en blanc, hein, d'accord. Donc quand on va déguster tout à l'heure un vin blanc, là on n'est pas extrêmement représentatif du vignoble, vu qu'il n'y a que 4% des vins secs qui sont des vins blancs. Alors nous continuons par encore deux transparents, et puis je prendrai par encore un transparent, et puis je prendrai quelques questions qui s'affichent. Vous voyez ici en termes d'export que les vins du Roussillon sont pas super bien lotis en termes d'export. Alors c'est les chiffres 2017, donc ça s'est peut-être amélioré en 2018. La campagne 2019, à mon avis, ben, elle se fait en 2020 avec le virus, à mon avis, elle est plutôt à volo. Mais vous voyez que les vins secs, il n'y a qu'une bouteille sur 5, donc 20% qui part à l'export. Les vins doux naturels, c'est une consommation extrêmement hexagonale, hein. Donc c'est 97% des vins doux naturels qui sont consommés dans l'hexagone et uniquement 3% qui vont à l'export. C'est en fait une histoire sensiblement inverse à ce qui se passe dans le vignoble du Cognac que nous analyserons plus tard, à savoir où là, c'est l'export du cognac, c'est 97 ou 98%, il n'y a que 2 à 3% des cognacs qui sont consommés en France, hein, aussi bizarre que ça puisse paraître. Ici, les vins doux naturels, c'est tout à fait l'inverse. Voilà, voilà. Alors, je vois qu'il y a des questions qui s'affichent, et donc, je vais en prendre l'une ou l'autre. Voilà, voilà, merci. Alors, on nous demande qu'est-ce que les VDQS? Alors, les VDQS, ce sont des vins de qualité supérieure. Alors, les vins de qualité supérieure, c'était, si vous voulez, avant la réforme, c'était une forme de sous-appellation, si vous voulez. Donc, c'est pas très gentil de dire ça, mais il y avait les vins d'AOC, et puis juste en dessous, il y avait les VDQS, et puis il y avait les vins de pays. Et quelque part, quand on a fait la réforme du marché vitivinicole au niveau européen, une partie des VDQS ont shifté en AOP et une partie des VDQS ont shifté en IGP. Donc quand je dis quelque part que AOP est égal à AOC, c'est justement notamment avec les VDQS que je suis un peu... que je ne suis pas très précis, quoi. D'accord. Alors, par contre, une question excellente de Kevin Baptiste. Est-ce que quelqu'un a vu le nain aujourd'hui? Je ne le trouve pas. Non. Alors, bien sûr, on a oublié de le mettre, mais peut-être que si la technique est motivée, elle pourra vous le placer pendant la séance. Ça nous ferait tous très plaisir. Il fallait qu'on foire quelque chose. Donc, à chaque fois, on foire quelque chose. Donc, merci. Merci, Kevin. Vous avez à 100% raison. D'ailleurs, je trouve, Kevin, que pour votre peine, je vous offre un livre. Voilà. Je le prendrai sur moi parce que vous avez à 100% raison, tout va à volo ici, il n'y a plus rien à gérer, on sent que c'est le déconfinement. Alors, Christian Vandenbilk, sur le tableau d'ensoleillement que vous utilisez à chaque cours, les mesures de soleil datent de quelle année? N'est-il de facto pas dépassé par le changement climatique? Alors, le tableau, les références, si vous voulez, sont indiquées dans le, si vous voulez, en dessous du transparent, donc j'ai plus l'adresse du site en tête, ce sont des moyennes, hein. Ce sont des moyennes soit quinquennale, soit décennale, les mesures d'heures de soleil. Donc, si vous voulez, quelque part, en général, on prend... alors, je ne sais pas quand est-ce qu'on tire le trait, mais c'est la moyenne des 5 dernières années, la moyenne des 10 dernières années. Même chose pour les précipitations et même chose pour les températures. Donc, entre guillemets, le site étant un site sérieux et mis à jour, a priori, les chiffres sont valables, quoi, si vous voulez. C'est les moyennes par rapport à aujourd'hui ou par rapport à l'année précédente ou l'année avant. Donc, a priori, ça doit tenir compte du réchauffement climatique. Et j'ai enfin Anne-Marie Ross. 25 cépages pour le Roussillon, record en France. Ah, bonne question. Je ne sais pas savoir si c'est un record parce qu'il faudrait vérifier ce qu'on appelle 25 cépages pour le Roussillon. Parce que le Roussillon, si vous voulez, fait une promotion des vins en appellation et en indication géographique.
Et donc, je pense qu'avoir 25 cépages en indication géographique, ça c'est pas forcément un record. Si c'est 25 cépages pour les appellations, donc pour les AOP, alors on est peut-être avec un record. Donc ça, je dois le vérifier. Merci en tout cas pour votre question. Et donc voilà, à mon tour de vous poser une question. À mon tour de vous poser une question. Quel est le deuxième marché à l'export en volume pour les vins secs 2017, dans l'espoir qu'un jour la technique mette son nom. Voilà. Alors, vous avez ici le marché des vins secs en colle, donc en bouteille 2017. Donc, je vous rappelle que les vins secs, il n'y a jamais qu'un colle sur cinq qui est expédié, hein. Donc, il y avait à l'époque 6,5 millions de colles pour une valeur globale de 23 millions d'euros. Et vous voyez que le deuxième marché à l'export est l'Allemagne. Mais. Le marché belge arrive en troisième position. Donc, de nouveau, cocorico. Si on devait bien sûr ramener ces chiffres en volume par habitant, de nouveau, la Belgique serait les rois du pétrole. Ça, vous le savez, c'est toujours la même chose. Mais donc, il fallait répondre Allemagne si vous souhaitiez gagner un livre. Alors, en termes de structure, continuons dans notre exploration, il y a en fait 2200 exploitations familiales qui se répartissent en 25 caves coopératives et 360 caves individuelles. Mais ce qui est assez exceptionnel, c'est que vous le voyez, c'est indiqué sur le transparent, il y a 75% de la production qui est vinifiée, qui est produite donc par les coopératives, alors qu'il n'y a que 25% qui est produite par les caves particulières. Donc on est vraiment dans une structuration très semblable à celle du Languedoc, où en gros trois quarts des vins du Languedoc sont produits par les coopératives et simplement un quart par les caves particulières. Rappelez-vous, le vignoble de Provence, on était à 55-45. Et bien sûr, plus vous montez vers le nord, plus vous quittez le fameux midi de la France, et moins la structure coopérative est aussi importante. N'oubliez pas qu'au-delà de la production, donc ceux qui font pousser les raisins, il y a les maisons de négoce qui donc vont acheter du raisin, voire vont parfois même acheter du vin ou du jus pressé, ou du moût ou du marc, et qui vont après vinifier le vin et le mettre en marché, hein. Bien sûr, ces structures-là existent également. Alors, quitte à vous parler de la cave coopérative, j'en avais parlé quand même un certain temps, quand on avait fait les cours sur le vin du Languedoc, parce qu'elle était aussi importante dans le Languedoc, elle est aussi importante dans le Languedoc qu'elle ne l'est dans le Roussillon, hein, bien sûr. Eh bien, simplement, vous savez que moi j'aime beaucoup le dilemme du prisonnier, c'est quelque chose que j'enseigne à mes étudiants, j'écris parfois des articles aussi là-dessus, donc c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup. Et donc j'ai appelé ça le dilemme du coopérateur. Eh bien, le dilemme du coopérateur, c'est justement un dilemme de la coopération. Donc c'est quelque part le dilemme de la coopération, si vous voulez, parce que l'idée est tant que le coopérateur qui participe donc à une cave coopérative, il est payé au kilo de raisin qu'il amène à la cave coopérative. Et puis c'est la cave coopérative qui fait le vin. Et donc on comprend assez vite qu'avec ce système-là, le coopérateur n'a pas intérêt à trop soigner ses vignes parce que c'est du temps et c'est de l'argent. Et donc, à la fin de l'histoire, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir du raisin à donner à la cave coopérative. Mais si tous les coopérateurs font ainsi, c'est-à-dire que si tous les coopérateurs ramène du raisin un peu pas de super bonne qualité, la cave coopérative se retrouve avec une quantité de raisin de qualité relativement moyenne. Le vin qu'elle produit est de qualité moyenne. Elle vend les bouteilles à prix moyen et les coopérateurs, à la fin, ils reçoivent peu d'argent. Donc, en fait, il est individuellement pour chaque coopérateur intéressant, quelque part, de filouter le système, donc de faire un peu défaut et d'essayer de pas trop soigner ses vignes parce que, je vous dis, c'est du temps et de l'argent et de toute façon, c'est quand même pas lui qui va vendre le vin, mais à la fin de l'histoire, si tout le monde fait ça, c'est l'ensemble de la production de la cave coopérative qui chute, et donc c'est l'ensemble aussi des revenus des coopérateurs qui vont chuter. Donc il est quelque part intéressant pour l'ensemble des coopérateurs que chacun joue le jeu. Et donc les caves coopératives sont conscientes de cela, et donc elles essayent de mettre en place des systèmes objectifs, et c'est ça le problème, objectifs, pour essayer de pousser les coopérateurs à faire pousser des raisins de bonne qualité, à amener des raisins de bonne qualité à la cave coopérative. Alors, un des systèmes, par exemple, que les caves coopératives ont évoqué, était le système de non plus simplement rémunérer au kilo de raisin, mais de rémunérer aussi à la quantité de sucre du raisin, parce que ça, c'est entre guillemets objectivable.
Mais forcément, il y avait dans ce cas-là une course à des vins de plus en plus alcoolisés, et c'était pas forcément des raisins qualitatifs, si vous voulez. C'était pas forcément des raisins qui étaient des bons raisins pour faire du bon vin. C'était simplement des raisins sucrés. Donc il y avait aussi des courses à éventuellement planter des cépages qui, naturellement, allaient produire des raisins plus sucrés parce qu'on était mieux rémunéré quand on apportait les raisins à la cave coopérative. Donc voilà, c'est ce que j'appelle le dilemme du coopérateur, mais qui donc montre aussi en partie les limites du système. Alors dans la vie de tous les jours, ce fameux dilemme du coopérateur peut s'appeler, comme c'est indiqué sur le transparent, c'est le fameux problème du passager clandestin. Donc le passager clandestin, c'est celui qui prend les transports en commun sans payer son ticket. Bien sûr, si personne ne paye le ticket, il n'y a plus de transport en commun, parce que le transport en commun, il est rémunéré en partie par les utilisateurs. Mais donc, s'il y en a un seul qui ne paye pas le ticket, ou même un ou deux ou trois, eh bien, le transport en commun peut continuer à fonctionner. Mais quelque part, il profite du fait que tous les autres pigeons dans le tram ou dans le métro ou dans le bus, eh bien, ils ont payé leur ticket. Ben, voilà, c'était un peu l'idée. Voilà, moi, c'est un peu mes dadas. J'enseigne ces choses-là à mes étudiants à l'ULB. Donc là, je trouvais que le dilemme du corps opérateur, sachant que justement le dilemme du prisonnier était un dilemme de coopération, il y avait quelque chose d'un peu sympathique à vous en parler. Voilà, comme ça je vous ai parlé de cette chose-là aussi. Ici quelques photographies hein, de caves coopératives qui apparaissent. Ici c'est la cave coopérative des vignerons de Mory, hein, donc qui a été créée en 1910, donc juste après les fameuses grandes révoltes des vignerons du Midi hein, qu'on avait analysées dans le cours sur les vins du Languedoc. C'est une cave coopérative qui existe toujours, hein. Vous avez des vieilles photos, des photos d'archives, vous voyez que c'est quand même assez imposant, même d'un point de vue structure, si vous voulez, architecturale, quoi. Je veux dire que le volume est imposant, on la voit de loin, enfin la cave coopérative est un monument, quoi. Je veux dire, c'est pas simplement un monument social, c'est aussi un monument architectural, je veux dire, c'est quelque chose assez important dans les villages. Et ici, simplement, on est à Tautavel. Vous indiquer qu'il n'est pas, ce n'est pas un monopole, une cave coopérative. Ce n'est jamais, entre guillemets, qu'une association volontaire de vignerons. Donc vous pouvez avoir des villages où il y a deux, parfois trois caves coopératives. Alors bon, maintenant, ces derniers temps, il y a plus des regroupements. Mais par exemple, si vous êtes à Tautavel, vous aviez les maîtres vignerons de Tautavel, créés en 1927. Et puis 20 ans après, une cave coopérative qui s'appelle la Tautavelloise, qui est la cave coopérative dont la photo se trouve sur le bas du transparent et qui a d'ailleurs s'est installée dans les anciennes cave, bière, le fameux vin additionné de quinquina dont on parlera demain, un vin qui était soi-disant vendu comme étant un vin médicinal ou un vin réconfortant ou un vin qui vous redonnait du peps. Donc voilà, donc par exemple si vous êtes à Tautavel, eh bien vous avez deux caves coopératives. Donc c'est pas il n'y a pas une question de monopole, quoi. Je veux dire, bien sûr, vous avez quelques vignerons qui décident de s'associer, qui ont l'énergie et le temps de le faire et qui peuvent réussir le projet. Voilà, donc comme ça, j'avais un peu complété, si vous voulez, cette idée, cette exploration des caves coopératives qu'on avait déjà eu l'occasion et le plaisir de voir lors du cours sur les vins du Languedoc. Mais, entre guillemets, assez parlé, à mon tour de vous poser une petite question, chers amis. Et qui nous permet petit à petit, entre guillemets, d'arriver au moment phare du cours, à savoir la dégustation. Non, je rigole. Je pense que pour moi, le moment le plus important du cours, c'est bien sûr la partie théorique. La dégustation est un peu une cerise sur le gâteau, si vous voulez. Alors, quel est le rendement maximum de l'IGP Côte Catalane? Prends un peu d'eau. Voilà. Eh bien, donc, voilà, désolé, j'ai pris un peu d'eau. Quel est le rendement maximum de l'IGP Côte Catalane? Il faut, dans ce cas-là, se plonger dans le fameux cahier des charges, d'où était tirée la citation un peu bucolique, si vous voulez, que nous avons vue en début de ce cours. Et vous voyez qu'à la partie rendement maximum de production, on vous dit que les vins bénéficiant de l'indication géographique protégée Côte Catalane ont produit son produit, est-ce qu'il manque, dans la limite d'un rendement maximum à l'hectare de 90 hectolitres pour les vins rouges, rosés et blancs. Donc vous voyez que ce sont quand même des rendements relativement importants, parce qu'on a 90 hectolitres à l'hectare, et en général dans les rendements d'appellation, on est sur plutôt 40-45 hectolitres à l'hectare. Donc on est quelque part à plus du double du rendement autorisé sur une indication géographique protégée versus une appellation. Donc ce qui signifie
en termes très concrets, qu'avec la même surface plantée de vignes, si vous produisez du vin en indication géographique ou en appellation, d'un côté, vous allez produire deux fois plus de bouteilles. Et donc, qui dit deux fois plus de bouteilles, dit donc deux fois plus de volume, et donc, quelque part, aussi possibilité d'avoir deux fois plus de rentrées. Mais bien sûr, la vigne, à un moment donné, on a rien sans rien. Et donc, si vous produisez deux fois plus de bouteilles, en général, sauf contre ordre, ici, bien sûr, le vin qu'on va déguster tout à l'heure est un vin tout à fait exceptionnel par rapport aux IGP. Ce n'est pas un vin représentatif de l'IGP, mais qui dit deux fois plus de bouteilles, en général, dit que vous avez aussi, en partie, beaucoup moins de qualité. Et donc, c'est pour ça que l'appellation d'origine protégée se trouve tout en haut de la pyramide et que l'indication géographique protégée se trouve juste en dessous. Je vous avais promis au début du cours qu'il y avait une astuce. La voilà qui apparaît, parce qu'il faut toujours lire les décrets d'appellation jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il ne faut pas se laisser avoir simplement en lisant rendement maximum. Haha, malin. L'astuce, voilà, l'astuce. Eh bien, ici, c'est toujours le texte du décret qui continue. Les volumes pris en compte pour le calcul de ce rendement s'entendent après séparation des bourbes et des lits. Donc ça veut dire que c'est que le volume sans bourbe et sans lit. Et alors la phrase continue, les lits, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés ne peuvent excéder 10 hectolitres par hectare au-delà de ce rendement maximum de production. Ce qui signifie qu'en vérité, si vous prenez, tel que moi je le comprends intuitivement, le rendement comme étant, vous regardez un champ de vigne et vous dites, oh, mais cet hectare-là, si vous voulez, cette superficie, ces 100 mètres carrés là, si vous voulez, ils vont produire combien de... c'est 10 000 mètres carrés, pardon. Ils vont produire combien? Eh bien, ils peuvent produire, non pas 90, mais 90 plus 10. Ils peuvent produire en fait 100 hectolitres à l'hectare. Parce que les 90, c'est que, entre guillemets, du vin, quelque part, vu que vous pouvez séparer les bourbes et les lits. Donc vous avez 90 de vin... Et puis vous avez 10 de bourbe et de lit. Donc en fait, ça fait un vrai rendement de 100 hectolitres à l'hectare. Voilà. Comme ça, vous voyez aussi les petites astuces qui sont indiquées dans le décret. Mais donc, quand vous demandez à quelqu'un où c'est combien le rendement, on va vous sortir 90. Et donc, vous imaginez un hectare d'où 90 hectolitres. Mais en fait, vous n'avez pas en tête qu'en fait, c'est 90 plus 10. Voilà. Bon, voilà pour la petite histoire. Question. Alors, comme ça, maintenant, on arrive vraiment dans le cœur du réacteur. Vu que tout à l'heure, on va déguster un vin qui est fait à partir du cépage Grenache gris. Dans quel pays utilise-t-on le terme Zurke Grenache, qui en fait est un synonyme de Grenache gris? Ta-da-da-dam. La technique est en forme jingle aujourd'hui, elle nous a pas mis le nain, mais par contre les jingles, elle en met trois fois plus pour essayer de se faire pardonner. Mais nous on veut le nain, monsieur. Voilà, que ceci soit dit. Eh bien, le Grenache gris, c'est le fameux cépage, hein, Grenache à Rioja, Grenache à Roche, Grenache à Rojo en Espagne, Grey Grenache en Australie ou Zurke Grenache en Hongrie. Donc si vous voulez gagner un exemplaire de ce magnifique livre, c'était bien sûr Hongrie qu'il fallait répondre. Alors comme c'est indiqué, le Grenache gris est moins productif et plus sensible aux botrytis que le Grenache blanc. Il est plus résistant à la sécheresse que le Grenache noir. Bon, on n'a pas beaucoup d'informations sur le Grenache gris. Pour être tout à fait franc, les chiffres que j'ai trouvés indiquent qu'il y a... Mais bon, voilà, on n'a pas tout répertorié, mais il y a à peu près 2000 hectares de Grenache gris plantés, donc c'est pas grand-chose en France. Et ils sont à peu près tous à peu de choses près dans le Roussillon, quoi. Donc je dis, c'est certainement un cépage qui, vis-à-vis du Roussillon, a une certaine identité, si vous voulez, mais qui, au regard du vignoble français, est un peu anecdotique. Il faut être de bon compte, et donc forcément, la littérature n'abonde pas dans le sujet, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vins qui sont faits à partir de Grenache gris. C'est aussi un cépage qui est fort utilisé pour la vinification au vin doux naturel. D'ailleurs, demain, le vin qu'on va déguster possède en partie du Grenache gris. Ce qui signifie que quand vous pianotez un peu sur l'Internet ou regardez des livres, les arômes qu'on vous donne par rapport au Grenache gris sont parfois des arômes, si vous voulez, qui renvoient des vins doux naturels. Donc, il faut aussi essayer de faire la part des choses parce que, comme vous le voyez sur le transparent là qui s'affiche, qui est le transparent des arômes, il faut vous donner non pas les arômes d'un vin vinifié comme étant un vin doux naturel, il faut vous donner ce qu'on appelle les arômes variétaux, donc les arômes du Grenache gris vinifié, entre guillemets, bêtement, comme un Grenache gris, comme un vin sec, quoi. Donc, alors,
Il a ces arômes-là, notamment, quoi. Donc des arômes d'agrumes. Ici, moi, j'ai mis un pamplemousse, un arôme minéral. Alors ça, c'est moins au nez qu'en bouche, hein, donc une finale un peu minérale. Un arôme un peu épicé d'anis, d'anis étoilé. On a aussi parfois des arômes floraux qui apparaissent, des arômes de type fenouil. Mais alors après, quand on me parle d'arômes de caramel brûlé, d'amande amère, d'abricot séché, ça peut être des arômes qui renvoient vraiment très très clairement à une vinification au vin doux naturel. Donc ça, on va laisser ça pour demain. Mais les arômes qui apparaissent ici sur ce transparent sont plutôt des arômes auxquels on peut s'attendre quand le vin est vinifié comme étant un vin sec. Alors, voici la bouteille que nous allons déguster ensemble. Hein. Il s'agit donc du domaine Gardiès, qui est un des plus... je regarde la technique, la bouteille est bien. Qui est un des plus beaux domaines du Roussillon. Il a 2 étoiles dans la Revue du Vin de France. Donc, c'est vraiment... on est dans le top du top des domaines du Roussillon. Domaine Gardiès, qui est un domaine de 60 hectares. Hein. Donc, quand on est dans le Midi, on peut avoir des domaines un peu plus conséquents. Alors, bon, bien sûr, ici, si vous voulez, c'est un vin qui est en IGP Côte Catalane. Pourquoi ? Parce que ce domaine, je crois qu'il se trouve à Rivesaltes. Et comme, rappelez-vous, les fameuses cartes qu'on a vues au début, vous ne pouvez pas, quand vous êtes là, quand vous êtes dans l'aire d'appellation, vu que toutes les appellations communales, ou presque toutes, sont en vin rouge, si vous voulez faire un vin blanc, vous êtes obligé de le produire en IGP. Mais ici, pour ne pas simplifier les choses, c'est un vin en indication géographique protégée, mais qui est produit avec la qualité d'un vin d'appellation. D'ailleurs, le vigneron vous envoie l'information rien que sur le goulot. Hein. Rien que sur le goulot, vous voyez que ce goulot, il est cacheté cire. C'est une manière de renvoyer l'information au consommateur. Attention, vous n'êtes pas en train de déguster un vin entre guillemets de basse catégorie avec des rendements complètement dingues. Ça, ce sont les rendements officiels permis, mais vous êtes sur un vin qui est IGP Côte Catalane parce qu'il ne peut pas le faire dans l'appellation Rivesaltes Blanc, si vous voulez. Mais par contre, c'est un vin qui est fait avec tous les standards qualitatifs de rendement, notamment que des vins d'appellation. Alors juste ici, avant de déguster, je vous montre, parce qu'on m'a déjà posé la question, comment retirer le bouchon avec un cacheté cire. Donc voilà, ici, je vous le montre sur sur la caméra. Donc comme ça, je vais essayer de... Non, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Donc ici, vous n'avez pas vu super bien ce bouchon, peut-être comme ça alors. Voilà, ça oui, comme ça la caméra arrête de mettre point sur mes yeux. Voilà, vous voyez le bouchon. Donc voilà, il faut réussir à dompter la caméra qui a un autofocus, donc elle met au point sur mes yeux. Donc la technique m'envoie le retour qu'on n'arrivait pas à bien mettre au point. Mais vous voyez qu'en fait l'idée, c'est quand vous avez un bouchon cacheté cire, c'est assez à la mode, hein, alors les vignerons un peu qui veulent bien travailler, qui veulent aussi donner l'information aux consommateurs qu'ils ne sont pas en train de déguster de la roupie sans sonnet. Il faut y aller en une fois. Donc vous enfoncez le tire-bouchon, à travers la cire et à travers le bouchon. Vous ne vous préoccupez de rien, vous continuez, vous l'enfoncez et puis vous le retirez et le cachet cire se détache tout à fait nickel. Regardez comment le cachet cire est tout à fait bien détaché. Vous le voyez vraiment bien ici, je pense, face à la caméra. Il n'y a vraiment aucun souci. Il n'y a pas de défaut et vous n'aurez pas de cire dans le verre. Alors, je vais déguster ici le vin du Roussillon blanc. Et par ailleurs, Adrien me signale que manifestement aujourd'hui on a tout fait à l'envers, donc on a oublié le nain, l'autre il a le rhume des foins, et puis on vous aurait signalé que nous allions déguster un vin rouge alors qu'on l'avait signalé. Enfin, ça fait depuis 3 semaines que je dis attention, c'est du Roussillon blanc, donc excusez-moi. Je vous présente mes plus plates excuses. Si vous avez pris un vin rouge, vous inquiétez pas. Vous comprenez que la dégustation est plus un moment de partage. Ce qui est important, hein, moi je passe 2 jours complets par cours. Hein. Je dirais à vous préparer une trentaine de transparents. Plus après, on remet tout ça en forme pour vous les envoyer. Je pense que ça, c'est vraiment le cœur du réacteur, de ce qu'on a envie de partager avec vous. C'est un peu de connaissance, un peu de savoir par rapport au vin. Mais donc voilà, si jamais vous avez
avait pensé qu'on dégustait un vin rouge, mais plus plat des excuses. Mea culpa, mea maxima culpa. Voilà. Donc, maintenant, ceci étant, moi j'ai un vin blanc, donc je suis quand même obligé de déguster un vin blanc, sinon on ne va pas y arriver. Donc, il y a du jingle maintenant ici. Alors, vous voyez ce petit verre qui s'affiche. Bien sûr, c'est du, comme c'était indiqué sur le transparent, c'est bien sûr du l'agriculture biologique. Et puis maintenant, on va passer en revue la fameuse fiche de dégustation. Alors, c'est la fameuse fiche de dégustation Interwine and Dine pour les dégustateurs apprentis. Hein. Vous la voyez là physiquement, si vous voulez. Hein. Donc, cette fiche physique, elle existe vraiment. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire à la formation gratuite. La formation gratuite, il suffit de cliquer sur le bouton qui est indiqué sur la chaîne YouTube et vous allez être envoyé, entre guillemets, dans un système de vidéos qui vont vous être envoyé au fur et à mesure, c'est vraiment tout gratuit et vous recevrez en plus le PDF de la fiche de dégustation que vous pourrez bien sûr utiliser pour déguster n'importe quel vin. Donc voilà, je ne vais pas pouvoir, je le redis à chaque fois, expliquer chacun des termes de la fiche. Il y a une formation qui dure une petite heure en tout et pour tout et qui vous permet de la dépiauter. Alors, examen visuel, on est bien sûr sur un vin limpide. En termes de couleur, on est sur un jaune, un vert jaune paille. On n'est plus du tout sur un jaune vert, mais plutôt sur un jaune paille. Premier nez qui est ouvert. Alors, on est sur un nez intense, pas très intense, mais par contre relativement complexe, effectivement, avec les arômes qu'on avait vus. Hein, donc côté agrumes clairement présent, côté fenouil, peut-être même anisé, ça aussi clairement présent. Alors, il y a un côté un peu, je trouve aussi un peu iodé, et puis aussi un côté un peu fruit de la passion, fruit plus mandarine, quelque chose comme ça, donc un fruit un peu plus mûr, soit fruit de la passion ou mangue mandarine qui apparaît, qui est assez présent. Donc on va faire bien sûr l'examen maintenant gusto-olfactif, comme il s'appelle. Bon, ça, là c'est vraiment quelque chose de relativement exceptionnel. Alors, en termes d'examen gusto-olfactif, je prends la fiche pour la passer en revue. Je trouve ce vin est tout à fait équilibré. Alors, il est bien sûr avec une composante alcool. Hein. Il conserve une belle acidité. Ça, vraiment, par rapport au climat, par rapport où on est dans le Roussillon, c'est exceptionnel ce qu'il réussit à faire. Et même une petite pointe d'amertume, d'ailleurs, en finale, je trouve, qui donne un peu de kick et qui vinifie. Côté un peu amande amère qui est vraiment très présent. Mais c'est clairement un vin qui est construit sur l'alcool, donc c'est quand même une claque aromatique. Alors en termes de persistance, j'ai bien sûr pas eu le temps de la noter. Je vais déjà faire, c'est un vin qui est très intense et qui est corsé. Je veux dire, pas lourd, parce que lourd c'est un peu dépréciatif, mais qui est vraiment corsé. Alors je vais remettre le vin en bouche pour mesurer la PAI, la fameuse persistance aromatique intense. Ça c'est vraiment un de mes indicateurs préférés, comme ça vous le saurez. J'ai écrit des centaines d'articles là-dessus. J'en parle dans la fameuse vidéo formation gratuite. Ça, c'est un indicateur universel de qualité d'un vin, la fameuse persistance aromatique intense. Donc on va la refaire. Moi, j'arrive à 8, j'arrive à 7-8 secondes, donc c'est quand même un vin très très persistant. C'est vraiment exceptionnel, hein, je trouve. C'est quelque chose qui laisse un peu sans voix. C'est un vin qui peut aller à vraiment beaucoup beaucoup d'occasions, qui peut aller tout seul. On peut parler aussi de vin de méditation. Alors demain, avec les vins doux naturels, ce sera particulièrement le cours sur les vins dits de méditation, mais ici on est déjà sur une idée d'un vin qui peut se partager entre guillemets tout seul, avec son meilleur ami, sa meilleure amie, se raconter un peu la vie. C'est un vin qui est tellement complexe que je trouve que l'idée d'avoir un accord
si on veut vraiment profiter du vin, ne vient qu'après, quoi, si vous voulez. Après, vous n'êtes pas en difficulté pour faire des accords avec ce vin, parce qu'il est très complexe et très intense, quoi. Donc, il va bien sûr aller sur toute une série de possibilités classiques de la gastronomie, les viandes blanches en sauce, les poissons grillés, les poissons de mer, les poissons de rivière, tout ça fonctionne très très bien, mais c'est pas forcément un vin d'entrée, ou si vous le servez à l'entrée, de nouveau, faut avoir un rouge qui assure derrière, ça c'est certain. Mais bon, très 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 belle facture, quoi. On est sur des vins d'esthète, hein, parce qu'on est sur, je vous le disais, c'est moins de 4% de la production, c'est 4% de la production, hein, les vins blancs de Roussillon. Bon, voilà. J'ai encore quelques questions qui arrivent, donc bien sûr, je vais y répondre avec grand grand plaisir. Nuf nous demande, dans ma famille, on faisait des vins blancs doux en grenache blanc et gris, exactement. C'est exactement ce qu'on aura demain, je pense. Est-ce que les vins actuels font également cela dans la région du Languedoc-Roussillon, ou reste-t-on principalement en muscat? Non, non, mais Nuf, ça me touche beaucoup la question que vous me posez, parce que c'est exactement le vin que nous dégusterons demain, donc en grenache blanc et grenache gris. Donc c'est tout à fait juste. Donc si vous êtes, demain, on sera à Rivesaltes, hein, pour ne pas vous cacher. Alors bien sûr, vous pouvez à Rivesaltes faire le fameux muscat de Rivesaltes, comme vous l'indiquez vous-même dans votre question, et puis vous pouvez faire des vins de grenache blanc et grenache gris ou grenache noir, parce que le grenache, c'est vraiment le cépage, quel qu'il soit en couleur, hein, grenache noir, blanc ou gris, c'est le cépage pour faire les vins doux naturels, quoi. Donc, bien sûr, en grenache noir, vous allez être sur les vins rouges, en grenache blanc et gris, enfin, vous serez un vin doux naturel rouge, et en grenache blanc et gris, vous serez sur un vin doux naturel blanc, quoi, hein, je veux dire. Donc, vous avez à 100% raison, ça continue. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il me semble que non. Il me semble que il n'y a pas d'autres questions. Donc, en tout cas, moi, j'étais ravi de passer ce moment avec vous. Encore une fois, merci à Leslie, merci à Christina, merci à Adrien, merci à Félix. Nous avons oublié le nain. On le mettra demain. Je suis vraiment désolé, mais on se voit demain à 18h pour la suite des cours sur les vins du Roussillon et les vins doux naturels. Portez-vous bien, les amis. Voilà, on me demande de vous dire qu'on va quand même mettre ce nain. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire, mais la technique va mettre le nain. Voilà. Alors maintenant, ils vont couper des choses et puis ils vont mettre le nain. Le nain vous dit au revoir, à demain les amis!